are in an emergency. Non, je ne la vois pas. On est complètement à côté. Le 1er juin 1999, un MD-80 de la compagnie American Airlines, avec 139 passagers à bord, va tenter un atterrissage dans des conditions extrêmement périlleuses. Oh non! En plein milieu d'un orage. L'autre! Voici l'histoire du vol American 1420. Ce soir de juin, le temps sur le sud des États-Unis est à l'orage. La météo est particulièrement pessimiste sur l'Arkansas, où de nombreuses formations orageuses sont attendues. The movement of the storm is everything is sliding to the southeast. So yes, we do have a stormy evening headed our way. Texas. Aéroport de Dallas-Fort Worth aux alentours de 20h. Le commandant Bushman et le copilote Michael Origel préparent leur dernier vol de la journée. Destination Little Rock, à 500 km de là. Un vol de routine, si la météo n'était pas si exécrable. Au centre opérationnel, l'équipage est sous pression et, avec les prévisionnistes, essaie d'analyser la situation. On a proposé un briefing météo aux pilotes avant qu'ils ne décollent de Dallas-Fort Worth. On leur a donné les prévisions, les alertes météo. L'agent technique d'exploitation et le commandant de bord ont estimé, au vu du bulletin météo, qu'ils pouvaient atteindre Little Rock avant l'orage. Le vol a déjà 2 heures de retard. Et si le commandant attend trop longtemps, il dépassera la limite légale de la durée de travail pour les équipages. Il faut se décider. Soit on décolle dans les 30 minutes, soit on annule le vol. Et on prend le risque de mécontenter les passagers qui n'ont qu'une seule idée en tête, arriver à destination au plus vite. Je voyageais avec mon fils et ma fille. On revenait de vacances. C'était la première fois que ma fille prenait l'avion. L'appareil est arrivé en retard et du coup, notre vol a été décalé. C'était épuisant, il était déjà si tard. Finalement, le vol est maintenu. Le commandant espère arriver avant les orages prévus sur Little Rock. On nous a appelés. L'embarquement, ils l'ont vraiment expédié. Montez, asseyez-vous, attachez vos ceintures et on y va. On nous a dit que la météo était mauvaise entre Dallas et Little Rock. Ils voulaient devancer les mauvaises conditions qui s'annonçaient sur Little Rock. Enfin, le vol 1420 décolle de Dallas. Depuis le dernier point météo, lors de la préparation du vol, la situation à Little Rock s'est encore dégradée. Mais à ce moment-là, l'équipage l'ignore. Il va le découvrir quelques dizaines de minutes plus tard, en approchant de sa destination. Pour l'instant, dans le cockpit, c'est la routine. American 1420, vous voulez toujours descendre? Pour l'instant, ça va. Jusqu'ici, tout va bien, American 1420, on vous tient au courant. Le copilote du vol 1420 était une jeune recrue. Il venait d'achever sa formation et on l'avait associé pour l'un de ses premiers vols avec un commandant de bord chevronné. On avait donc d'un côté un pilote qui avait beaucoup d'expérience au sein de la compagnie, de l'autre une assez jeune recrue. L'équipage commence à préparer son approche et l'atterrissage sans inquiétude particulière. 25 sur 24 enclenchés et armés. Tu penses que ça va être bon ? Oui, on est presque descendu au poids maximal d'atterrissage. On voit la Lune. Ou un vaisseau spatial. Oh, c'est le vaisseau mère. Les pompes centrales sur arrêt. Ok. Dans la nuit, les pilotes n'ont aucune visibilité sur les nuages. Leur seul moyen de détection, c'est le radar météo qui balaye la zone située devant l'appareil et qui indique en rouge les orages les plus violents. Le voilà, ton gros truc.
Oui, t'as raison, on a intérêt à se grouiller. Ça ne me plaît pas. C'est la foudre. Pas de doute là-dessus. En plus de leur radar météo, l'équipage reçoit également des compléments d'information depuis le centre d'exploitation de la compagnie. Juste là, au radar, on a une grosse ouverture sur Little Rock. Les orages sont à gauche et à droite, mais c'est dégagé sur Little Rock. C'est comme si on faisait l'approche sur une piste de bowling. Les orages se déplacent est-nord-est, en direction de Little Rock. On va devoir faire avec. Tu sais, je crois qu'on ferait bien de se dépêcher. L'agent technique d'exploitation a informé l'équipage des conditions météo. Il prévoyait l'ouverture d'une brèche, sa fameuse piste de bowling. On avait deux types d'orages, ou plutôt deux orages avec un couloir au milieu. Selon lui, si l'équipage se hâtait d'atteindre Little Rock, il parviendrait sans doute à se glisser dans ce passage avant que les deux orages ne se rejoignent. Le vol 1420 amorce sa descente sur Little Rock et sa course de vitesse contre les orages. Car c'est bien d'une course dont il s'agit. À chaque minute, la fameuse piste de bowling se rétrécit un peu plus. Pour l'instant, devant eux, la voie est encore dégagée pour atteindre le terrain de Little Rock. Mais pour combien de temps encore ? La voilà, la piste de bowling. Oui, je sais. Ce sont les lumières de la ville, qu'on voit juste devant. Tu veux descendre ? Pas tout de suite, mais bientôt. Ici le commandant Bushman. Nous nous trouvons à environ 130 km de l'aéroport et nous avons entamé notre descente. Ce soir, vous avez droit à un vrai feu d'artifice à gauche de l'appareil. Nous allons le doubler en nous rapprochant de Little Rock. Nous avons été ravis de vous accueillir à bord de cet appareil. Merci de voyager avec la compagnie American Airlines. Des éclairs, on avait l'impression d'en voir des deux côtés de l'avion. Des éclairs qui faisaient comme ça. Ils éclairaient l'intérieur de l'appareil. C'était pas très rassurant. C'était un vrai feu d'artifice. Normalement, on ne signale pas ce genre d'événement, sauf si on survole le Grand Canyon. Là, oui. Mais des éclairs, non. Lentement, l'avion perd de l'altitude. L'enregistrement de la boîte noire est sans équivoque. À ce moment-là, l'équipage sait parfaitement ce qui l'attend. Checklist pour la descente terminée. On a intérêt à se rouiller. Ouais. On les fait asseoir tout de suite. J'écoute. Ça devrait encore pas mal secouer. Alors, si vous voulez bien... Vous voulez qu'on les fasse asseoir ? Vous en êtes où, là ? On a presque fini, mais pas tout à fait. Alors terminez rapidement. D'accord. Je trouvais qu'il y avait plus de turbulence que d'habitude. Je m'en souviens, j'étais épatée par l'hôtesse. Je me demandais comment elle arrivait à porter les plateaux et à servir les boissons sans en mettre partout. Et puis, la situation a encore empiré. 40 degrés de volet, 59 tonnes, 200 pieds. Les pilotes commencent à se préparer pour l'atterrissage. Pour l'instant, il suffit de suivre les procédures habituelles. Frein manuel ? En manuel, oui, c'est bon. La seule difficulté consiste à éviter les orages. Mais l'équipage semble parfaitement maîtriser la situation. On a la ville droit devant. Oui. Et il faut passer à travers cette saleté, c'est bon, ça va aller. En fait, les orages sont peu à peu en train de s'intercaler entre l'avion et le terrain. Waouh, on dirait que ça vient par ici. Oui. On a des éclairs droit devant. Ça devrait quand même aller. Tiens, juste là. Oui, on suit la piste de bowling. Comme diraient mes copains, cool round. Cool, super. Tout juste. American 1420 à 11 300 pieds en descente vers 10 000. Ils sont maintenant en contact avec la tour de Little Rock. Et les premières informations météo ne sont guère rassurantes. On a un orage au nord-ouest de l'aéroport. Il est en train de traverser la zone. Vent du 280 pour 28 nœuds, rafale à 44. J'aurai un nouveau relevé dans 5 minutes. En clair, les rafales de vent atteignent les 80 km/h. De quoi arracher un toit. En plus,
Le vent n'est pas dans l'axe de la piste, mais de travers, ce qui rend l'atterrissage encore plus difficile. Pour chaque avion, il existe d'ailleurs une limite à l'atterrissage par vent de travers. En fonction de la direction précise du vent, les pilotes vont calculer la composante de travers et vérifier qu'ils sont bien dans les limites autorisées. Bien, donc ça donne du 280 à 44. Rafale à 44. Très bien, on est presque à la limite. Oui, mais c'est 40 degrés de travers. Avec l'angle, tu ne dépasses pas la limite, mais c'est tout juste. Sur le MD-80, en fait, la limitation vent de travers à l'atterrissage est de 30 nœuds, mais sur piste sèche. La limitation vent de travers, c'est 30 nœuds, mais 30 nœuds, ce n'est pas sur piste mouillée. Non, sèche. Sèche. Oui. Et sur piste mouillée, c'est 20. Non, c'est 25. 20 ou 25 nœuds, la question restera en suspens. PNC, préparez-vous à l'atterrissage, s'il vous plaît. L'atterrissage s'annonce difficile. Et maintenant, l'équipage est totalement concentré sur son travail. Il a bien parlé d'un orage au nord-ouest du terrain. Il a dit nord-ouest. Oui. La foudre, il a parlé d'un orage. Le radar de Little Rock n'est pas des plus performants. Et le contrôleur a bien du mal à localiser précisément les orages. American 1420, votre matériel est bien meilleur que le mien. Vous êtes en finale pour la 22. Qu'est-ce que c'est ? On voit l'aéroport d'ici, cela dit, on le voit à peine. Mais on devrait pouvoir se poser sur la 22. L'orage vient par ici, comme indiqué sur votre radar. Mais il est un peu plus loin que vous ne le pensiez. Le contrôleur leur a dit qu'ils avaient un bien meilleur matériel que le sien. Le contrôleur, sur le vol dont on parle, disposait d'un écran radar monochrome, disons quasiment noir et blanc, qui ne lui permettait pas de déterminer l'intensité de l'orage. American 1420, est-ce que vous voulez faire une approche visuelle ? Oui. Le vol n'est plus qu'à 13 km de la piste. Et les pilotes doivent choisir. Soit faire une approche avec l'aide de l'ILS, le système d'atterrissage aux instruments, soit plus simplement se poser à vue. Mais une approche visuelle paraît ce soir difficile. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose. On va rester avec vous le plus longtemps possible. Soudain, le vent change de direction. Et cela ne fait pas l'affaire des pilotes. Le vent a un peu tourné. Il est maintenant... Il est du 330 pour 11 nœuds. Oh, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Oui, mais on se retrouve en vent arrière. Atterrir en vent arrière, c'est-à-dire avec le vent dans le dos, augmente la vitesse de l'avion, et donc la distance de freinage au sol. Mais quelques secondes plus tard, la situation se détériore encore un peu plus. Juste maintenant, on a une alerte de cisaillement. Un cisaillement signifie une inversion brutale du sens du vent. C'est un des pièges les plus terribles. À basse vitesse, au moment de l'atterrissage, un avion pris dans un cisaillement peut tout simplement décrocher et s'écraser. Alors, les cisaillements de vent, avant tout, lorsqu'on est près du sol et que tout d'un coup, on a une rafale de vent, eh bien, il est très facile de toucher le sol. L'avion s'incline brutalement, on touche d'une aile ou d'un réacteur, ça arrive, c'est déjà arrivé. Donc, il faut éviter d'y aller au moment où il y a un orage, tout simplement. On ne peut pas se poser sous un orage. Mais pourtant, l'équipage décide de poursuivre l'approche. Le commandant demande juste à changer de piste pour au moins se poser face au vent. On va avoir besoin... Mieux vaudrait un vent de face. L'avion va donc prendre la piste dans l'autre sens. Sage décision, mais qui entraîne de nouvelles difficultés. Ok, virage à droite au cap 250. Ça nous fait faire un grand détour ? Oui, vous êtes trop proche de l'aéroport. Oui, très bien. 250, ça va le faire. Le commandant doit recommencer une nouvelle approche pour prendre la piste dans l'autre sens. Mais pendant la manœuvre, le radar météo, qui balaie la zone située devant l'appareil, perd la trace des orages. Pire, durant les 10 minutes de cette nouvelle approche, les orages s'intensifient et maintenant arrivent à la verticale du terrain. Piste 04 droite, 111.3, 042 je crois. J'ai l'impression qu'on vient de passer au-dessus. Reçu, 1420 autorisé. Nouvelle procédure d'atterrissage, forte turbulence, mauvaise visibilité. La pression sur l'équipage augmente de seconde en seconde. Sur 122.17. En cas de remise de gaz, c'est virage à droite et montée à 4000 pieds. Regarde, tu es à l'aéroport.
Non, je n'ai pas l'aéroport. Tu as l'ILS, c'est ce que je veux dire. Oui, j'ai l'ILS. Les pilotes de ligne ont coutume de voler même quand la météo est mauvaise. Seulement, quand le temps se gâte, ils se retrouvent tout à coup avec bien plus de boulot sur les bras. Il faut se confronter aux nuages, à la pluie, à la foudre, aux orages, au vent, tous ces phénomènes météo qui vous tombent dessus à mesure qu'on s'approche de la zone aéroportuaire. American 1420, le reste de l'orage nous arrive dessus. Vent du 340 pour 16 nœuds, rafale à 34. Cette fois, il devient urgent d'atterrir ou de se dérouter. Tu préfères une approche courte, tu veux y aller serré? Oui, mais seulement si tu arrives à voir la piste, parce que moi je ne vois pas grand-chose. Oui, elle est juste là. Parfait. Tu la vois? Donne-moi juste la direction pour que je commence à ralentir. Donne-moi 11 degrés de volet. Bon sang, il passe juste à la verticale du terrain. American 1420, vous m'avez appelé? Oui. On voit l'aéroport, mais on passe entre les nuages. Je dirais qu'il est à 3 heures en bas, à environ 6 km. American 1420, c'est correct. Vous préférez le tenter en visuel ou vous y allez à l'ILS? L'approche à vue est la plus rapide, c'est le choix du commandant. Oui, on peut commencer en visuel, si on y arrive. American 1420 autorisé pour approche visuelle, piste 04 droite. Si vous la perdez ou si vous avez besoin d'aide, prévenez-moi. Seule contrainte pour ce type d'approche, ne jamais perdre la piste de vue. Mais les nuages et la pluie réduisent sérieusement la visibilité et le commandant a bien du mal à distinguer l'aéroport. Ok, tu l'as vu? Tu as vu l'aéroport juste là? Où ça? Là, tu es en vent arrière, il est juste là. Là, tu vires pour rejoindre la bonne trajectoire et voilà l'aéroport. Tu es en base, c'est juste là. Je suis en base, là? Je l'ai perdu. Je ne vois toujours rien. Donne-moi un câble, je ne sais pas. American 1420, affiché 118.7, piste 04 droite, autorisé à atterrir. Vent du 330 pour 21 nœuds. 18-7, on va afficher. American 1420, merci. Autorisé piste 04. Tu vois, ces lumières rouges là, elles sont où par rapport à la piste? Voilà la piste. On a deux pistes. Oui, je sais. On la perd. Ça m'étonnerait qu'on puisse rester en visuel. La mission est impossible. Le commandant renonce à l'approche visuelle et décide de refaire une troisième approche, cette fois aux instruments. Et les minutes s'écoulent. Approche American 1420. American 1420, oui, monsieur. Oui, il y a un nuage entre l'aéroport et nous. On vient de perdre de vue le terrain. Je suis sur le cap... Je suis sur le dernier cap que vous nous avez donné. On dirait que ça ressemble à l'étape de base. American 1420, volée au 220. Je vous quitte sur l'ILS. Ces images tournées ce soir-là par une chaîne locale prouvent la violence de l'orage qui s'abat sur Little Rock. Le commandant devient nerveux. Tu sais, j'ai horreur de me retrouver comme ça en visuel la nuit et gros temps sans savoir où je suis. Ce qui me chiffonnait vraiment, c'est que je savais qu'on était en train de descendre très bas et qu'à cause de la pluie, on ne pourrait pas reprendre d'altitude. Et puis ça secouait drôlement. Cette fois, on rentre en plein dans la crasse. C'est vrai. Approche American 1420. Je sais bien que vous faites de votre mieux, mais on se rapproche vraiment de l'orage et on va devoir jouer très serré. L'avion était secoué dans tous les sens. Il était complètement instable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûr et certain que ça allait mal tourner. Je ne sais pas pourquoi. Cette fois, le vol 1420 est en finale. Il descend vers la piste et file droit vers le cœur de l'orage. À cet instant, le commandant a encore le choix. Et puis maintenant, on est dedans. On voit les rafales, on voit l'avion à gauche, à droite. Bon, il y a un moment, il faut avoir beaucoup d'humilité et avoir cette sauvegarde qui est de dire, on arrête tout, on remet les gaz. On peut toujours remettre les gaz même au sol, même après avoir touché. Pas facile à prendre comme décision. À 4 minutes de l'atterrissage, l'avion vole maintenant sous une pluie battante, à travers des nuages qui réduisent dangereusement la visibilité.
On rentre en plein dedans. American 1420. On a des très fortes pluies sur l'aéroport. Je n'ai pas de bulletin météo, mais la visibilité par endroit est inférieure à 1600 mètres. La piste 04. Pour l'instant, vous avez 3000. La visibilité est à la limite des normes réglementaires. Une dernière fois, le commandant hésite. 3000 mètres ? Bien reçu, 3000. American 1420, c'est bien la 04 droite ? American 1420, c'est correct. Autorisé pour l'atterrissage, piste 04 droite. Vent du 350 pour 30 nœuds. Rafale à 45. On peut se poser ? Les contrôleurs, ils sont gentils, mais ils sont quand même assis dans leur fauteuil et dans la tour de contrôle. Alors, il ne faut pas se faire influencer par le ton donné au micro par le contrôleur qui peut aggraver la situation ou au contraire la rendre plus anodine. 30 nœuds avec rafale à 45, American 1420. 3000 de visibilité, on ne peut pas se poser là-dessus. Non, 3000, je te dis 3000. Combien ? Non, le minima est à 2004. Ah, super. Ouais, on est bon. Très bien. 15. Train sorti. Phare d'atterrissage. On est descendu dans un nuage très sombre, un nuage noir. On aurait dit que la pluie tombait à l'horizontale. Ça soufflait drôlement, à tel point que l'avion remuait dans tous les sens. Je n'avais jamais vu ça avant. Je me suis raidi à m'en faire mal. Et puis j'ai remis mes chaussures pour me tenir prêt à sortir. Il y avait un truc qui clochait et ça m'angoissait terriblement. Les limitations de vent de travers sont dépassées. Durant quelques secondes encore, l'équipage pourrait renoncer, faire une remise de gaz. Il n'en fera rien. Malgré la multiplication des alertes. Alerte de cisaillement au centre du terrain. 350 pour 32 nœuds. Le rafale à 45. Limite nord, vent du 310 pour 29 nœuds. Limite nord-est, vent du 320 à 32 nœuds. Je n'avais jamais senti de pareilles secousses. Pas de doute, les orages étaient tout près. J'ai pensé que si le pilote essayait de se poser malgré des conditions météo pareilles, on allait s'écraser. 28 degrés de volée, on accélère de 20. Mais alors qu'ils sont en courte finale, la visibilité devient de plus en plus mauvaise. American 1420, la visibilité sur la 04 droite est maintenant de 1600 mètres. Bon sang ! Dans le poste, la tension est extrême et le stress intense. Je ne vois rien du tout. Tu la vois, toi, la 04 ? Il faut avoir un minimum de stress pour être en veille permanente, pour être réagir d'une façon saine. Et on devient efficace à ce moment-là. Si on n'a pas de stress du tout, on devient dangereux, parce qu'on n'a pas la veille suffisante. Mais par contre, si le stress est trop important, là on est derrière la machine et on devient dangereux aussi. Donc il faut rester dans les bonnes limites. Et visiblement, ce soir-là, les limites sont franchies et l'équipage commet des erreurs. On ne voyait rien. Le vent repoussait l'avion avec une violence inouïe. Il y avait un tel vent de travers que j'avais peur qu'on atterrisse sur l'aile. J'ai eu peur qu'on se retourne. Ça sentait vraiment là aussi. Tu veux 40 degrés de volée ? Ouais, je pensais te l'avoir demandé. Je savais à sa façon de manœuvrer l'avion et au bruit des moteurs qu'il essayait de se mettre dans l'axe de la piste. Je ne voyais rien, mais je savais qu'on était tout près. Je n'arrêtais pas de me dire, mais où est la piste ? 1000 pieds. De 20 à 40 pour l'atterrissage. Tu parles d'un piège ! Vent du 330 pour 28 nœuds. Je vais rester un peu au-dessus. La piste est sur ta droite, tu la vois ? Non ! J'ai la piste en vue, tu es pile dans l'axe. C'est bon, Tout le monde, ou presque, se cramponnait tant qu'il pouvait. On regardait droit devant nous, sans broncher. Je craignais le pire. On n'allait peut-être pas réussir à se poser. L'avion est maintenant à très basse altitude. Et plus il se rapproche du sol, plus les turbulences sont violentes. Vent du 330 pour 25 nœuds. 500 pieds. On accélère de 20. Vent du 330 pour 23 nœuds. Bon sang, on dérive. Je ne la vois plus. On est à côté. Je ne vois plus rien. Tu l'as là ? Ça y est. 100 pieds. 50 pieds. 40. 30. 20. 10.
On a touché la piste très durement, sans ralentir. Contact! On glisse! C'est pas vrai! On continuait d'aller très très vite. Je me suis dit, on est tous morts. Les freins! C'était un vrai chaos. C'était terrifiant, absolument terrifiant. L'autre! Oui, l'autre! Quand l'avion s'est arrêté, il y a eu un moment de silence complet. Le feu avait pris devant moi. C'était plein de débris, tout était silencieux. Je me suis dit, mon Dieu, je suis morte. Je savais qu'on était vraiment mal barré. Il fallait bien que tout cela se termine d'une manière ou d'une autre. Je me disais, comment est-ce que je vais sortir de là? Durant ces minutes, j'ai d'abord entendu un petit cri. Puis le cri s'est amplifié. Il est devenu de plus en plus fort, comme si on criait dans un porte-voix. Tout à coup, ça a fait tilt. C'était ma fille. Là, je me suis dit qu'il fallait absolument sortir de là, qu'il fallait faire quelque chose. Les passagers se ruent dehors avant que le feu ne s'empare de la cabine. J'avais une omoplate brisée. Je m'étais démis l'épaule. J'avais des côtes cassées. Mais je ne sentais rien. Tout ce que je voulais, c'était sortir. Je ne voulais pas mourir là-dedans. J'ai dû sortir de l'avion en une dizaine de secondes. C'était comme pendant la guerre. Go, go, go! J'ai crié, « Allez, on sort de l'avion, on court, il faut sortir de l'avion. » Certains ressemblaient à des rescapés d'une explosion avec leurs vêtements en lambeaux. Il y avait un homme qui appelait les secours sur son portable. Lancé à plus de 160 km/h sur une piste détrempée, les 65 tonnes de l'avion ont défoncé un terre-plein de 7 mètres de haut, percuté une passerelle métallique, avant de s'échouer sur la rive boueuse de l'Arkansas. Dans l'épave cassée en trois morceaux, on relève 11 morts, dont le commandant, tué lorsque la passerelle métallique a perforé le poste de pilotage. J'ai honte. J'ai vraiment honte de ne pas m'être démené davantage pour sauver des gens. C'est le pire cauchemar que j'ai jamais vécu. Dans les minutes qui suivent l'accident, les autorités préviennent le NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports aux États-Unis. La nuit du crash de l'American 1420, j'ai reçu un coup de téléphone vers 1h du matin. C'était le centre de communication du NTSB qui me prévenait qu'un accident d'avion s'était produit à Little Rock et qu'il y avait peut-être des morts. Un premier enquêteur est aussitôt dépêché sur les lieux. On a comme une montée d'adrénaline quand un accident comme ça se produit et quand on nous envoie sur les lieux du drame. On est vraiment pressé d'y être, de chercher ce qui s'est passé et de rassembler les éléments pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Le Bureau de la sécurité des transports installe son quartier général aux abords du site. Et durant 18 mois, ces hommes vont traquer le moindre détail permettant de reconstituer les causes de la catastrophe. En arrivant, on avait déjà notre petite idée.
Par contre, on ne savait pas pourquoi ça s'était passé. Pourquoi l'avion avait dépassé la piste? Pourquoi il n'avait pas réussi à s'arrêter? On savait que c'était le choc avec la passerelle qui avait démoli l'appareil, que l'incendie qui s'était déclaré ensuite avait fait plusieurs victimes, mais on n'en savait pas plus. Les enquêteurs refont le chemin à l'envers et analysent la succession des événements depuis l'approche finale jusqu'au départ de Dallas-Fort Worth. La première question est de savoir pourquoi l'avion ne s'est pas arrêté sur la piste. L'examen des traces de pneus est formel. Après l'atterrissage, les pilotes ont perdu le contrôle de l'appareil. Si on considère la largeur de ces traces de pneus, on se rend compte que l'avion ne roulait pas en ligne droite. Il glissait sur le côté. On a cette machine d'une soixantaine de tonnes avec une centaine de passagers à son bord en train de glisser de façon incontrôlable au-delà de la piste. C'est donc au moment de l'atterrissage que le drame s'est joué. Reste à comprendre pourquoi. Pour ce faire, les enquêteurs interrogent les rescapés du vol 1420. Ils n'auront aucun mal à les retrouver. La plupart vivent à Little Rock. Rapidement, au fil des témoignages, ils détectent une anomalie dans la procédure d'atterrissage. Les passagers qui nous intéressaient le plus, c'était ceux qui étaient assis à côté des ailes. Ceux-là avaient pu voir par les hublots si on s'était servi des aérofreins. Les aérofreins, ce sont ces larges plaques métalliques situées sur les ailes et servant à ralentir l'avion une fois au sol. Et plusieurs passagers sont formels, les aérofreins ne se sont pas déployés. Les enquêteurs confirment ce fait avec les informations des boîtes noires. L'enregistreur des données du vol le prouve lui aussi, l'avion s'est posé sans aérofrein. Dans de telles circonstances, la sortie de piste était inévitable. Les freins ! On glisse ! C'est pas vrai ! Mais cette absence d'aérofrein est-elle due à une panne mécanique ou à une faute de pilotage? Cette fois, c'est dans l'autre boîte noire, celle qui enregistre tous les sons du cockpit, que les enquêteurs vont chercher la réponse. L'aéroport d'ici, cela dit, on le voit à peine. Allez, là-bas, où voulons-y? Si, si, bon, pour rien au fond. Tu veux 40 degrés de volet? Ouais, je pensais te l'avoir demandé. Un des éléments que nous cherchions à entendre sur l'enregistrement de la boîte noire, c'était la position des aérofreins. On savait, d'après l'enregistreur des paramètres techniques, qu'ils n'étaient pas sortis. On voulait à présent savoir si le levier de commande avait été armé. Pour cela, on cherchait un clic très reconnaissable. On n'a rien entendu sur l'enregistrement. On en a conclu que le levier n'avait pas été actionné au moment de l'atterrissage. Le commandant a donc purement et simplement oublié d'armer les aérofreins. Une erreur qui lui a probablement coûté la vie, ainsi qu'à 10 de ses passagers. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Cette erreur est une explication, mais ce n'est pas la seule. Il faut maintenant identifier les autres causes. On savait parfaitement que la météo était très mauvaise au moment de l'accident. Il fallait à présent déterminer dans quelle mesure ces conditions avaient influé sur les événements. Il fallait examiner les images radar, les relever, rassembler tout ça. Ça allait nous prendre plusieurs semaines. Une des questions est par exemple de savoir si l'équipage a sous-estimé les conditions météo ou s'il avait pleinement conscience des risques encourus. Cette fois, on rentre en plein dans la crasse. L'une des préoccupations majeures d'un pilote lorsqu'il tente un atterrissage consiste à s'assurer que le vent de travers n'excède pas ce que lui-même ou son avion est capable de supporter. Vent du 350 pour 30 nœuds, rafale à 45. On peut se poser ?
Cet équipage avait des limites à ne pas dépasser, des limites imposées par sa compagnie aérienne. Le vent de travers ne devait pas excéder les 10 nœuds sur piste mouillée. Des limites inscrites noir sur blanc dans le manuel de vol. Aucun doute possible, l'équipage du vol 1420 a largement dépassé les limites. 30. Tu parles d'un piège. La piste est sur ta droite, tu la vois? Non. Et les conséquences sont dramatiques. Cette animation permet d'observer les efforts désespérés du commandant pour lutter contre le vent de travers lors des dernières secondes du vol. Les vents sont venus heurter l'appareil. On le voit sur l'animation. L'avion lutte contre le vent. Contact! Les freins! L'autre! Oui, l'autre! Si on a une piste mouillée et des orages, on est dans un très mauvais scénario. Pourquoi avoir tenté envers et contre tout un atterrissage dans de telles conditions? Ce n'est pas la première fois qu'un accident de ce type se produit. En 1994, un DC-9 de la compagnie américaine US Air est victime d'un cisaillement de vent en courte finale. Il décroche à 75 mètres d'altitude et s'écrase juste avant la piste. En 1985, un Tristar de Delta Airlines s'écrase dans des circonstances presque similaires. Les pilotes connaissaient les risques, mais peut-être les ont-ils sous-estimés. Voilà la piste. On a deux pistes. Oui, je sais. On la perd. Ça m'étonnerait qu'on puisse rester en visuel. Je ne m'imaginais pas que... Probablement, c'est ce qu'il aurait répondu. Je ne m'imaginais pas que ça pouvait être aussi grave, qu'il y avait autant de cisaillement de vent, qu'il aurait pu y avoir de l'aquaplaning. Donc, mauvaise analyse des données de l'équipage. Peut-être mauvaise communication avec l'équipage, c'est-à-dire avec son copilote, en disant, dis donc... Mais explication trop jeune pour être trop critique. Et ensuite, peut-être un biais de confirmation, c'est-à-dire, j'ai l'habitude, j'en ai déjà vu d'autres, je vais pouvoir m'en sortir. Facteur humain. Grâce à cette autre animation, on voit parfaitement les conditions météo dans lesquelles l'avion s'est posé. L'orage est en rouge sur la carte. La trajectoire se passe de tout commentaire. Au vu des informations fournies par le radar météo au sol, l'équipage du vol 1420 a dû observer la majeure partie de l'orage. Sur l'écran, les pilotes ont vu la zone devenir verte, puis jaune, et enfin rouge vif. Je ne vois rien du tout. Tu la vois, toi, la 04? À mesure qu'ils se rapprochaient de Little Rock, ils ont vu se dégrader la situation météo. Sur leur radar de bord, certes, mais aussi en regardant à travers le pare-brise. D'ailleurs, le commandant de bord a prononcé une phrase capitale qui résume tout le vol. J'ai horreur de me retrouver comme ça en visuel la nuit et gros temps sans savoir où je suis. J'ai horreur de me retrouver comme ça en visuel la nuit et gros temps sans savoir où je suis. Cette phrase est capitale. À ce moment-là, ce pilote chevronné avec 10 000 heures de vol à son actif aurait dû interrompre son approche vers Little Rock. Il aurait dû se diriger vers un autre aéroport ou retourner à Dallas. Pourtant même, après avoir tenu de tels propos, il a poursuivi son approche vers un aéroport où un orage se préparait. C'était le désastre assuré. Mais derrière les pilotes, les enquêteurs s'intéressent également à American Airlines, une des trois plus grandes compagnies américaines. Aux États-Unis, la concurrence est particulièrement redoutable. Et chaque compagnie se bat quotidiennement pour maintenir sa place dans le ciel encombré de l'Amérique du Nord. Alors, la pression commerciale et le souci permanent de rentabilité ont-ils eu une influence dans le drame? Rapidement, les enquêteurs en acquièrent la certitude. Dès la préparation du vol, toutes les conditions étaient réunies pour pousser l'équipage à la faute. Ils ont peut-être confondu vitesse et précipitation. Les pilotes avaient derrière eux 14 heures de travail. Ils avaient eu une longue journée. L'aéroport était tout proche, ils ont voulu tenter le coup. Les pilotes ont un but à atteindre.
Ils sont formés pour accomplir une mission. Ils tâcheront toujours de savoir s'il y a moyen d'y arriver. Seulement, soit on réussit à accomplir cette mission, soit on va trop loin et là, on n'arrive plus à s'en sortir. On n'a pas d'autre choix. Et c'est comme ça que les catastrophes surviennent. Les pressions liées à l'exigence de résultats auront ainsi engendré une série d'erreurs et de sous-estimations qui ont mené au drame. À commencer par l'oubli des aérofreins. Pour American Airlines, cette explication évidemment ne tient pas. Et elle conteste le fait que ces pilotes se soient volontairement jetés dans la gueule du loup. La compagnie se retourne même contre le contrôleur. Et elle attaque en justice l'aviation civile, affirmant que toutes les informations météo n'avaient pas été transmises à l'équipage. American 1420, votre matériel est bien meilleur que le mien. Vous êtes en finale pour la 22. Mais après avoir entendu le contrôleur de Little Rock, les enquêteurs américains demeurent sceptiques. It's highly unlikely. C'est tout à fait improbable. L'équipage a été pleinement informé des conditions météo et de la gravité de la situation, à la fois pendant le vol et au cours de l'atterrissage à Little Rock. Face à la commission d'enquête, ce sont bel et bien les pilotes et la compagnie qui se retrouvent sur la sellette. Et pour les passagers, il est indispensable d'établir les responsabilités. C'est en partie une question d'argent. On veut qu'ils paient parce que j'ai lu les lettres qu'ils ont envoyées à mon avocat. Ils ont minimisé tout ce qu'on a enduré, les brûlures infligées à ma fille, ses blessures, les conséquences psychologiques pour mon fils de 15 ans, pour ma fille et pour moi. Ils ont essayé de tout minimiser. C'est pour ça qu'on veut leur en faire voir. Comme de nombreux rescapés, René Salzman assiste aux audiences publiques organisées 8 mois après le drame. Notamment à celle du copilote, le seul survivant du cockpit après le décès du commandant. Quand on s'est retrouvé en bout de piste, j'ai vu le balisage arriver sur nous et j'ai compris qu'on allait sortir. Je ne voyais rien de ce qu'il y avait devant nous. Je me suis dit que le train d'atterrissage allait lâcher et qu'on allait continuer à glisser comme ça et qu'on s'en tirerait. Mais c'est là que j'ai senti le choc. Vous pensez bien que j'ai suivi les débats de très près. Je voulais savoir ce qui s'était passé. J'ai assisté à toutes les audiences organisées par le Bureau national de la sécurité des transports. Ça m'a rendue folle. J'estime qu'ils ne lui ont pas posé les bonnes questions. Moi, j'aurais voulu lui demander, mais à quoi est-ce que vous pensiez? Pourquoi est-ce que vous avez joué avec nos vies? Le témoignage du copilote est discutable. Il affirme avoir demandé au commandant de bord d'interrompre l'approche et de procéder à une remise de gaz. Qui peut demander d'interrompre l'approche? N'importe quel pilote. Avez-vous demandé une remise de gaz? Oui, monsieur. Si on écoute l'enregistrement audio, on entend parfaitement le mot remise et le mot gaz. On a dû parler en même temps, puis je l'ai regardé et il s'est remis dans l'axe pour l'atterrissage. Mais les enquêteurs, eux, n'entendront jamais ces mots sur l'enregistrement audio. Bon sang, on dérive! Je ne la vois plus! On est à côté! Il s'en est tenu à ses déclarations, mais nous, on n'a jamais rien pu prouver. Ça a fait naître une controverse, parce qu'on ne savait pas si ça s'était passé comme ça ou pas. L'audition du copilote fait naître aussi quelques doutes sur la précision des consignes données aux équipages d'American Airlines en cas d'orage. Cette fois, c'est le représentant de la compagnie qui est interrogé. Quand on lui a posé la question, il nous a répondu que ses pilotes n'étaient pas autorisés à voler par ce type de temps. Nos pilotes ne sont pas autorisés à atterrir ou à décoller lorsque la zone terminale est prise dans les orages. Une règle qui manque quelque peu de précision. C'est très subjectif du point de vue du pilote. Il faut imposer des limites aux pilotes. Quand on a affaire à des phénomènes de convection, quand on a une activité orageuse, disons, à moins de 9 km de l'aéroport, quand on observe des éclairs, des vents cisaillants, il ne faut pas s'y risquer. Le Bureau de la sécurité des transports découvre aussi que, toute compagnie confondue, l'atterrissage partant d'orage n'a rien d'exceptionnel. Au cours des audiences, les enquêteurs présentent une étude réalisée par le prestigieux Institut de technologie du Massachusetts à Boston. Et le résultat est affligeant.
Sur cette animation, les vols en phase d'atterrissage sont superposés avec les zones orageuses en jaune et en orange pour les plus violentes. Sur l'ensemble des États-Unis, les chercheurs ont étudié 2000 cas où des avions se dirigeaient vers une zone orageuse. Résultat, deux fois sur trois, l'équipage ne s'est pas dérouté et s'est posé. J'ai été très surpris par le témoignage au cours de l'audience publique. Ils volent sur les meilleurs appareils. Ils ont reçu la meilleure formation possible. On leur fournit tous les renseignements dont ils ont besoin. Et pourtant, ils continuent de prendre des décisions dangereuses. J'ai été très surpris qu'ils aient essayé de se poser. Les pilotes savent que lorsqu'on file droit sur un orage, on n'est pas certain d'en sortir, en tout cas, pas forcément sain et sauf. Alors, pourquoi les pilotes sont-ils si nombreux à prendre de tels risques? La même étude américaine prouve que les imprudences se multiplient lorsque le vol a pris du retard, lorsqu'il fait nuit ou lorsque l'appareil précédent continue malgré le mauvais temps. Dans l'accident de Little Rock, deux de ces trois facteurs ont joué. Il faisait nuit et le vol avait pris du retard. Les conclusions de l'enquête ne sont guère rassurantes. L'accident de Little Rock n'est que la partie tragique et visible d'une habitude dangereuse et répandue. On ne constate pas de progrès significatif, pour tout dire. On ne peut pas prolonger la formation indéfiniment. Le mauvais temps a joué un rôle essentiel dans cet accident. Il est inadmissible d'entreprendre quoi que ce soit par un temps pareil. Tout le monde sait que de telles conditions météo représentent un grave danger. Il aurait donc fallu suspendre toutes les opérations. Il y a plus étonnant. Même les progrès technologiques pourraient bien favoriser le manque de discernement des équipages. On émousse peut-être la vigilance des pilotes, qui sait? On a installé des radars météo à bord, des systèmes de détection de cisaillement dans les aéroports. Tous ces systèmes ne réagissent qu'en cas de danger. Seulement, il est peut-être déjà trop tard. Le Bureau de la sécurité des transports a rendu ses conclusions en octobre 2001. Selon les enquêteurs, la catastrophe a deux causes principales. D'abord l'atterrissage par temps d'orage, ensuite la non-sortie des aérofreins. American Airlines n'a pas souhaité participer à cette émission, ni commenter le rapport d'enquête. Nous savons par contre que la compagnie a, depuis, modifié cette checklist. Dorénavant, l'armement des aérofreins doit être validé par le commandant et le copilote. Une précaution qui aurait peut-être pu éviter le crash. Au cours de mon enquête, j'ai disposé de plus de deux ans pour déterminer ce que le commandant de bord avait tenté de faire. Mais ce commandant, lui, n'a eu que quelques secondes pour prendre ses décisions en fonction des informations qu'on lui transmettait. Il ne manquerait plus qu'un enquêteur comme moi le montre du doigt. Après tout, je n'y étais pas. J'estime que c'est de leur faute, mais je ne leur en veux pas. Je ne veux pas perdre mon temps à me mettre en colère. Ils ont eu pépin sur pépin. Ça peut se comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir envie de se tuer. On est allé sur sa tombe à l'US Air Force Academy. On y est allé trois fois. Ce type-là s'est retrouvé piégé dans une situation impossible. Un an après le drame, les rescapés du vol 1420 se sont retrouvés sur les lieux de l'accident pour saluer la mémoire des disparus. Pour tous les survivants, les séquelles sont durables et profondes. Toute notre famille a dépensé du temps et d'énergie pour s'en sortir. On a beaucoup parlé. On a coupé les ponts avec pas mal de monde. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît ses vrais amis. Jamais je ne parviendrai à oublier ce que nous avons vécu dans cet avion. La vie est précieuse. On est ici pour très peu de temps. Tout à coup, on a l'impression que la vie ne dure pas plus d'une seconde et demie. Le choc au moment du crash, ça, j'essaie de le refouler parce que ça me secoue encore.
On me demande si je vais bien. Non, je ne vais pas bien. Non, on n'ira plus jamais bien. Qu'est-ce que ça veut dire, aller bien? On a changé. Il faut qu'on s'y fasse. Nous devrons vivre avec. Le lendemain de l'accident, Adam et moi, on était à l'hôpital avec Samantha. Adam et moi, on s'est levés pour regarder par la fenêtre. On n'arrivait pas à réaliser que la vie continuait comme avant. On n'en revenait pas. Il y avait des voitures, il y avait du soleil. La vie suivait son cours. Mais pour nous, la vie s'était arrêtée.